Bonjour à toutes et à tous, c'est Romney pour une nouvelle vidéo. Donc, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Donc on se retrouve pour le setup 2017 de Romney. Donc voilà. Donc c'est parti, je suis devant ma porte là. Oui, c'est mon nombre, coucou. On va ouvrir la porte. Alors avant que la vidéo commence, n'hésite pas à lâcher un petit like et de marquer en commentaire ce que tu penses de cette vidéo. Et surtout n'hésite pas à t'abonner. Allez, bonne vidéo. Alors voilà. Alors on commence très fort avec un lit qui est déjà pas fait. Mais avec waouh, qu'est-ce qui se passe? Déjà tout autour. Alors ça c'est juste un petit kiff que j'ai mis, je l'active quasiment jamais, c'est juste parce que je voulais le montrer là. Donc voilà, ça fait tout le tour du lit. Bon là c'est un peu le bazar ce côté ici, mais voilà, ça fait tout le tour du lit. Et j'ai une télécommande qui est juste là, que je vais montrer juste après. Donc voilà, ça c'est la première partie, donc je vais fermer la porte derrière pour qu'on ait bien le noir. Ensuite, dès qu'on se tourne de ce côté ici, on a un meuble, ma batterie, un baby foot, un meuble de stockage. Et on rentre dans la partie gaming. Alors là, j'ai des LED aussi, tout. Alors en bas, le super low cable management. Alors je vais vous dire un peu tout ça. Alors voici mon ma chaise. Donc c'est une chaise basique IKEA, voilà. Voici les télécommandes dont je vous parlais. Donc celle-là, c'est pour le lit. Donc par exemple, si je veux l'éteindre, voilà. C'est pratique pour dormir, ça. Oula, excusez-moi. Et ça, c'est pour... voilà. Hop là. C'est pour celui en dessous de mon bureau. Qui est un peu plus petit. Non, ensuite, passons à peu près au petit truc. Donc, il y a mon microphone. Donc, c'est le BM800. Donc, c'est pas une marque. C'est plutôt juste une référence. Voilà. Sur un pied que je ne connais pas la référence. Avec un câble XLR, j'ai acheté à part. Et ici, que je montre bien, une Behringer. Alors, je fais plus un peu, voilà, excusez-moi, la Behringer 302 USB, donc qui câble passe derrière l'ordinateur, tout au fond. Donc là ensuite on passe à mon clavier, donc c'est le Razer Deathstalker Chroma, donc très beau clavier qui d'ailleurs rend bien avec mon setup. Ensuite passons à ma souris, donc ma souris c'est la Razer Mamba Chroma. Avec un tapis de souris Razer Mantis. Alors mon bureau, c'est un bureau IKEA standard. Voilà. Ensuite mes deux écrans. Alors ça c'est un Samsung. Alors la référence, je regarde. S24D330. Voilà, 24 pouces. Il me semble très bel écran. Et mon deuxième écran, c'est un AOC. Et je connais pas la référence. J'ai cherché pas mal de temps pour trouver la référence, mais j'ai pas trouvé. Sinon mes enceintes, c'est des enceintes, alors je compte m'acheter des enceintes Razer, je sais plus comment ça s'appelle déjà, mais c'est coûte assez cher, du coup j'économise un peu pour l'instant. Et pour l'instant j'ai des Logitech, je sais plus combien, avec une basse en tout. Voilà, je sais plus trop, et aussi mon casque Sony, donc le MDR quelque chose, oui c'est ça s'appelle le MDR, donc je sais pas trop, mais voilà. Sinon passons à mon setup, alors voici... Alors si vous avez vu ma dernière vidéo, attends, j'essaie de focus un peu, voilà. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez très bien ce que j'aime boxer. J'aime boxer le tapis de souris, une souris, une autre souris que j'ai donnée à mon pote, le clavier, j'aime boxer. J'aime boxer ce boîtier là, que j'ai dû monter, et du coup ouais, ça fait super stylé là, avec les LED en dessous. Et là du coup comme il fait noir, mais là il y a la vitre avec tout ce qu'il y a dedans. Alors je veux dire ce qu'il y a dedans, il y a... un AMD FX8350, il me semble, Black Edition. Il y a le Nvidia GTX 1060 de MSI 3Go OC. Ensuite, il y a une carte mère MSI Gaming, je sais plus quoi. Une Asus Gaming, je sais plus d'ailleurs. J'ai 16Go de RAM. J'ai un nouveau disque dur de 4 Tera, 1 Tera et un SSD de 120Go où j'ai Windows installé dessus. Et qu'est-ce que j'oublie d'être important là? Ouais, c'est tout. RAM, j'ai parlé carte graphique,
Et j'ai un water cooling Corsair, je sais plus combien, mais un bon water cooling quoi. Donc voilà, ça c'était parti ordinateur. Donc c'est à peu près tout pour l'instant que j'ai. Enfin, c'est pas mal de choses quand même. Je vais faire une vue globale à partir d'ici. Bon là par contre c'est le gros bazar, c'est mes vêtements et tout ça. Donc partie gaming, le lit. Et tout le reste, après, c'est juste pour prendre de l'espace. Donc voilà. N'hésitez pas quand même à lâcher un like, un commentaire, etc. Ça me fait super plaisir. J'ai vu que la dernière vidéo vous avait vachement plu. Du coup, je sors celle-ci pour que je puisse à peu près voir. Et je ferai des nouvelles vidéos, à peu près unboxing, ou dans le même délire. Ça compte arriver. Là, j'utilise un Nikon pour filmer. Mais je compte m'acheter un putain de bon télescope. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Ciao, bye, Cimer.